la classification, c'était quelque chose que j'attendais beaucoup ces derniers mois, parce que je savais que c'était l'élément déclencheur qui allait décider de l'avenir de ma carrière sportive. Et au final, on m'a dit de passer en classification nationale et internationale. Du coup, je suis passé, et à ma grande stupéfaction, au lieu de descendre de catégorie, ce qui était prévu, je suis resté dans la même catégorie, et au lieu de ça, et en fait, j'ai gagné des points. Ça veut dire que j'étais moins handicapé qu'à la dernière fois, alors que le pire, c'est que j'y suis allé blessé. Donc je comprends pas du tout. Et du coup, j'ai décidé depuis d'arrêter ma carrière en natation, en compétition, et de plus me concentrer sur des défis personnels et sportifs. Mon objectif, c'était les Jeux Paralympiques de Paris et Los Angeles. Et là, du coup, maintenant, j'ai complètement arrêté ces rêves. Et maintenant, je me concentre plus sur des défis personnels où j'essaye de m'apporter à moi-même et ne plus dépendre de quelqu'un ou d'une fédération. Ça peut être des défis de course, des défis de vélo, des défis de natation, de traversée ou quoi. Ou ça peut être les trois ensemble, comme l'Ironman. Le prochain objectif, c'est au mois d'août à Vichy, où je ferai l'Ironman, je fais le 70.3, donc c'est le semi. Je le fais avec un copain, donc moi je vais faire 2 km de natation, il va faire 90 km en vélo, et après moi je pars sur un semi-marathon. Salut. Ciao. Ça va? Ouais. Dès qu'on a des disponibilités, on descend, on le rejoint. Et c'est un rythme qu'on a pris et ça fait partie intégrante maintenant de notre vie. En plus, c'est la vie de Théo, donc on le suit à fond. Ouais, à tout à l'heure. Ça fait un mois que je viens à la salle de sport. Et du coup, pour l'instant, je viens 7 jours sur 7. Je fais une petite séance d'une heure et demie à chaque fois. Et du coup, c'est pour la partie physique, pour les Ironman. Pour essayer de gagner un peu en puissance pour le semi-marathon. Pas trop la montée. Allez, une, deux, et enchaîne. Deux. Une, deux, la montée. Il travaille du pectoraux, il travaille tout ce qui est multi-tirage, en fait, pour les retrouver au niveau de la natation. C'est son point fort, le dos. Les pecs un peu moins, mais son dos, il est costaud. Il est très fort du pectoral droit. Non, c'est un beau potentiel.